parti. Ben, merci à tous d'être venus aussi nombreux pour entendre parler de machine learning. Alors à l'origine, cette présentation, je l'avais préparée avec mon ami Didier Girard, et on l'avait présenté à la conférence Mixit là, il y a quelques semaines. Et bon, Didier ne pouvant pas venir, c'est moi qui vais faire de bout en bout. Donc il n'y aura pas de dialogue, ou alors je vais faire un monologue à moi-même, je sais pas trop. Donc on va parler de machine learning et de régulation numérique. Donc c'est une introduction au machine learning. Juste histoire de vous rassurer, je ne vais pas non plus vous noyer avec les maths qu'il y a derrière le machine learning, mais il y a quand même pas mal de maths, beaucoup de calculs matriciels, des équations, etc. On en verra juste quelques-unes par-ci, par-là, mais déjà, je ne veux pas vous faire peur, et c'est quelque chose d'assez léger comme présentation, donc j'espère que ça vous plaira. Alors, le machine learning, en fait, ça ne paraît pas, mais il y en a déjà, je dirais, partout autour de nous. Si vous utilisez Gmail ou n'importe quel client de mail ou service de mail en ligne, il y a des filtres anti-spam. Et qu'est-ce qu'ils font ces filtres anti-spam? Vous recevez un mail et ils analysent le mail et ils disent bon, ça c'est un bon mail, ça c'est un spam. Donc c'est un problème de classification. D'accord? Et il y a des algorithmes qui nous permettent de faire de la classification automatique ou d'apprendre, par exemple, on lui donne plein de mails, on lui dit ça c'est des spams, on lui donne plein d'autres mails, ça c'est pas des spams, et comme ça, ça va l'aider à qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques spéciales ces mails-là pour que ce soit des spams, par exemple, je crois des fonds bizarroïdes, des caractères un peu spéciaux, ou Viagra écrit avec un 1 et un 4, ou ce genre de choses, et en général, c'est souvent du spam, ça. Donc, ça c'est un premier exemple concret de machine learning que vous utilisez sans le savoir tous les jours. Alors c'est pas vous qui avez codé l'algorithme, mais néanmoins c'est là derrière votre utilisation vous faites du mail. Un autre exemple, là encore c'est c'est plus proche des aspects classification. Les recommandations. Par exemple, ma fille est fan de La Reine des Neiges. Et si je vais sur Amazon pour regarder le DVD de La Reine des Neiges, bah, un peu plus bas. Je vais voir La Reine des Neiges, je vais voir d'autres Disney, je vais voir des dessins animés. Et il va vous dire, ça c'est... Si vous avez acheté ça, il y a beaucoup d'autres clients qui ont acheté tel autre DVD. Donc ils font des recoupements un peu, ils voient que tel DVD et tel DVD sont souvent associés ensemble, et des fois les gens ils achètent les deux en même temps. Donc il y a des chances que s'il y a plein de monde qui achète, Peter Pan, ou La Reine des Neiges, et souvent ils ont acheté Peter Pan, donc il y a peut-être des chances que moi aussi ça m'intéresse, Peter Pan. Donc en fait on voit que, donc tout à l'heure c'était avec les mails, c'est quelque chose de pratique pour pas vous submerger de spam, et là on voit déjà qu'il y a un intérêt commercial, c'est-à-dire si vous avez acheté ça, ils vous conseillent d'acheter autre chose, c'est une incitation à ce que vous achetiez autre chose. Et avec le machine learning, c'est quelle information on va pouvoir tirer de ces données-là, et comment on va en pouvoir tirer en tirer parti quand on est une entreprise. Et je vais reprendre aussi un autre exemple, Netflix, qui vont bientôt venir en France, apparemment, à la rentrée, qui sont des fans d'ailleurs de Groovy et Gretz, je dis ça en passant. On connaît plus pour Groovy et Gretz, mais ils utilisent beaucoup Groovy et Gretz chez Netflix et ils embauchent un peu à tour de bras dans notre communauté. Ils ont même essayé de me déboucher. Merde, c'est enregistré. Ils n'ont pas payé assez cher. Mais non, c'est que je devais aller dans la Silicon Valley et puis j'étais pas prêt à déménager là-bas. Encore, ils auraient eu des bureaux, des R&D ici, pourquoi pas. Donc Netflix, vous avez tous entendu parler de Netflix, c'est tout ce qui est vidéo à la demande, vous payez, je sais plus, 10 euros par mois, enfin c'est en dollars là-bas, mais je pense que ça dans ces tarifs-là en France, et vous avez accès à tous les films, toutes les séries comme House of Cards, etc. Il y a des séries à succès. Et en fait, Netflix, il y a encore, en 2009, ils n'existaient pas. Hein. Et puis, il y avait d'autres acteurs dans ce domaine-là, Apple, Microsoft, qui avaient déjà des bonnes positions, même des positions dominantes. Et en fait, donc plutôt que de donner l'approche, voici mon catalogue de vidéos, ils nous recommandent d'acheter telle vidéo, etc. Enfin, pas d'acheter, mais de les visionner. Donc, pour nous encourager à utiliser encore plus le service. Et en très peu de temps, en l'espace de 2 ans, ils avaient déjà pris la position dominante.
Et c'est devenu bah, une assez grosse boîte et qui a un chiffre d'affaires assez conséquent. Et entre autres, bah, voilà, le machine learning, ça a été un des éléments clés aussi de leur succès, parce que les utilisateurs ont tendance à consommer de plus en plus et donc à faire du bruit autour de ce service-là et encourager d'autres personnes, évidemment, à s'inscrire à Netflix. Donc on voit qu'il y a quand même une incitation business derrière avec le machine learning. Ça rend des services, mais aussi ça peut permettre de vendre plus de choses. Donc voilà en quoi, je dirais, du machine learning, vous en avez déjà partout autour de vous et vous en avez déjà utilisé sans vraiment le savoir. Et le machine learning, bah, ça peut être utilisé à d'autres fins également. Donc on a tous entendu parler de la NSA, l'enregistrement des métadonnées, des appels théoriquement que font les Américains aux États-Unis. Mais a priori, ils filtrent pas que ça. Donc on a un certain Edward Snowden qui nous a dit qu'effectivement la NSA aux États-Unis amassait d'énormes monceaux de données et métadonnées pour pouvoir bah, traquer les gens, savoir ce qu'ils font. Et c'est aussi du machine learning, parce que avec un monceau de données trouvé, se dire tiens, ce mec-là, c'est peut-être un terroriste parce qu'il a appelé, je sais pas où, en Afghanistan, ou je sais pas quoi. Ou qu'il il appelle d'autres personnes qui appellent des gens en Afghanistan. Attention, il est peut-être lié à ce genre de personnes-là. On peut apprendre tout un tas de choses grâce aux métadonnées. Et donc déjà, un premier commandement du machine learning, c'est que... Bah, pour pouvoir apprendre quelque chose des données, faut bien récolter les données. Donc, faut les enregistrer. Il faut les stocker d'une manière ou d'une autre, dans des bases HDFS, dans des bases de données, etc. Ce que vous voulez. Mais en tout cas, il va falloir récolter des données. Et souvent, quand on entend parler de big data, moi, il y a encore pas si longtemps, je me disais, oui, le big data, mais je veux dire, moi, je suis la petite boîte du coin, je pourrais qu'il y ait un service en ligne quelconque, j'ai 100 ou 1000 utilisateurs, je fais pas de big data, je vais rien apprendre de mes données, mais en fait, ça paraît pas, mais dès que vous faites, ou vous regardez, par exemple, ce que font vos utilisateurs sur votre application, ça génère vraiment beaucoup, beaucoup d'événements. Et si vous commencez à enregistrer tous ces événements-là, vous allez peut-être pouvoir tirer une information utile de ces choses-là, grâce au machine learning, en faisant des extractions, en essayant de voir le comportement, en essayant de se dire, bah tiens, il y a tel groupe d'utilisateurs qui ont l'air d'utiliser plus telle partie du site, alors peut-être qu'on va pouvoir développer ça et que en fait, ça les fait acheter plus de tel produit ou prendre des options. Enfin, on peut imaginer tout un tas de choses que même quand on est une petite boîte avec a priori peu d'utilisateurs, etc., en fait, on peut récolter quand même beaucoup d'informations et en tirer des conséquences intéressantes. Donc la première chose, de toute façon, si on veut faire du machine learning, bah, il faut récolter autant de données que possible, et mieux vaut plus que moins, de toute façon. Et donc, sans data, bah, il n'y a pas de machine learning. Hein. Pas de bras, pas de chocolat. Alors le machine learning, on va peut-être quand même essayer de donner une définition. Il y avait un tweet qui était pas mal, là, c'est le mec qui disait, grosso modo, bah, c'est un super... concept marketing, donc c'est tout ce qui est derrière le machine learning. Derrière, bah, y a beaucoup de maths, beaucoup de statistiques, etc. Donc c'est pas des choses nouvelles, hein, ça existait déjà. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais fait un module sur le machine learning. À l'époque, on appelait pas ça machine learning, mais j'avais déjà vu en fait des choses sur ce sujet-là. Donc c'est pas que malgré tout un aspect marketing, mais c'est vrai qu'à ce moment on entend parler beaucoup de machine learning, mais derrière bah, c'est des stats, c'est de la régression linéaire, c'est des choses comme ça que vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu dans un cours de maths ou de stats. Mais moi j'aime bien l'explication que donne Wikipédia. En fait, le machine learning fait partie d'une branche plus large qui est l'intelligence artificielle, et c'est une branche qui s'occupe d'essayer de créer des systèmes, de modéliser des comportements, et de pouvoir essayer de retirer une information intéressante des données. On a beaucoup de données, et qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer, ou être capable de faire des prédictions, c'est-à-dire on voit le comportement d'un utilisateur, ben qu'est-ce qu'il va faire après. Et ça c'est important. Et là, il y a Didier qui avait trouvé un parallèle intéressant, je ne sais pas si je l'expliquerai aussi bien que lui. Donc en fait, on a des tonnes de données, donc c'est un peu comme un piano,
Et on a un accordeur, ou celui qui va donc fine-tuner des algorithmes, qui va choisir des algorithmes, des mélodies, et qui va pouvoir créer un modèle qui va représenter ce qu'on est en train, les données avec lesquelles on est en train de travailler. Bon, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a plusieurs grandes familles d'algorithmes de machine learning, les algorithmes supervisés et les algorithmes non supervisés. Alors, il y a d'autres familles également, mais que j'aborderai pas, c'est par exemple tout ce qui est deep learning, tout ce qui est reinforcement learning. C'est des choses, par exemple deep learning, Google, Facebook et tout, ils sont à fond là-dedans, donc avec des gigantesques réseaux de neurones par exemple, pour essayer de reconnaître un article il n'y a pas très longtemps qui parlait de recherche qu'avait fait Google, où en fait il donne plein d'images, j'ai entendu parler, plein d'images que Google a indexées, et en fait automatiquement le deep learning, là, ces méga réseaux de neurones sur leur méga serveur avec des méga GPU qui font des tonnes de calculs que nous on peut même pas imaginer avec nos machines et nos serveurs, est capable de commencer à reconnaître des concepts, de reconnaître des choses, et il a réussi à classifier. Il y a un truc qui revient souvent dans les images, et on voit une image de chat, vraiment la tête du chat, et en fait je vais pas rentrer dans le détail des machines de neurones, mais en fait on a différentes couches de neurones qui discutent entre eux, tout ça, et on voit le visage du chat qui apparaît en fait dans une des couches de neurones, parce qu'il reconnaît les caractéristiques du visage du chat. Mais ça reconnaît d'autres choses. En fait, ça reconnaît des pizzas, des fleurs jaunes. Donc il y a tout un papier qui explique ce qu'il avait réussi à trouver. Moi, je vais me focaliser vraiment sur ce qui est un petit peu plus classique, supervisé et non supervisé. Supervisé, c'est on a des données, mais on a aussi des labels, c'est-à-dire quand on fait la classification de spam, on lui donne des données et on sait que telle donnée, ça c'est du spam, et telle donnée, ça c'est des bons mails. Donc quand il va voir de nouveaux mails, il aura pu apprendre à partir de ces jeux de données que tiens, là ça ressemble plus à du spam, ça ressemble plus à un email correct. Donc ça c'est supervisé. Ensuite on a des algorithmes non supervisés, comme par exemple essayer de trouver plusieurs classes. On a des nuages de données, on essaie de les regrouper. On va voir ça plus en détail. Je vais vous montrer. Donc là, on commence par le supervisé. On a un modèle de régression. Donc on a. On avait essayé de continuer un peu l'image de l'accordeur et du piano. Donc on a des. Là on va faire l'aspect régression linéaire. On a des données labellisées. Donc par exemple, vous connaissez. Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Les ventes de maisons dans l'immobilier. C'est les ventes de maisons souvent dans l'immobilier, je vois pas comment on va les mettre. Bref. Et ça, c'est un exemple. J'ai une petite référence à la fin. J'ai suivi aussi le cours de machine learning sur Coursera, qui est super bien, et là qui est en train de se terminer. Mais il y a des sessions régulières, et je vous invite à le regarder si vous avez l'occasion de suivre ça. Et il prenait souvent cet exemple-là. Donc voilà, une maison, ça peut avoir une superficie, un nombre de pièces, etc. Il y a différentes caractéristiques, et avec ces caractéristiques-là, on sait, le Y par exemple, c'est à quelle valeur a été vendue cette maison. Et par exemple, si je vous donne une nouvelle maison, j'aimerais peut-être savoir quel est le prix que je peux espérer la vendre. Donc, essayer d'estimer le prix d'une maison qui va être à vendre. Donc on a le prix, on a, ça c'est les features, les variables d'entrée. Donc par exemple, ça faut penser vecteur en fait, avec plusieurs variables en fait. C'est un vecteur qui contiendrait donc la taille, la superficie de la maison, le nombre de pièces et puis plein d'autres critères. Et puis après l'accordeur, la fonction qui serait plutôt l'algorithme, l'accordeur qui sont les paramètres, je dirais, de cet algorithme. Et donc c'est un peu, c'est une fonction très générale, mais c'est un petit peu ça l'idée. Donc concrètement,
Imaginons que voilà, on a différentes maisons. Donc là, j'ai pas mis d'axe en abscisse en ordonnée, mais on peut imaginer que bah, là c'est une petite maison et là c'est une grosse maison avec plein de pièces, plein de une grande superficie dans un quartier meilleur. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Bah, on va peut-être essayer de faire passer en quelque sorte une droite là-dedans pour essayer de voir, ah oui, tiens, c'est quoi la tendance? Bah, plus la superficie augmente, plus le prix augmente. Ok. Après, on peut avoir d'autres modèles. Là, c'est tout avait l'air bien sur une droite. On pourrait également imaginer voilà, quelque chose comme ça, puis oh, il y a une donnée un petit peu bizarre. Donc là, c'est vraiment linéaire. Donc en l'occurrence, je regarde qu'avec une droite. Donc c'est assez proche, mais nous, déjà, on a quand même l'intuition que bon, ça, c'est peut-être pas la meilleure fonction qui va mapper mes données quand même. Hein. Et puis, un autre exemple, encore avec une donnée un peu bizarre. Bah, c'est pareil, on peut. Trouver la même droite, mais peut-être qu'en fait, bon, il y a peut-être autre chose. Et pour faire ça, alors oui, une petite remarque avant, c'est qu'on peut voir une corrélation entre deux variables. Donc là, en l'occurrence, c'est écrit très petit, mais donc là, vous reconnaissez déjà les pays. Là, en bas, vous avez la consommation en chocolat, en kilos, par an et par tête de pipe. Et là, le nombre de prix Nobel par 10 millions d'habitants. Et on dirait que plus on mange de chocolat, plus on a de chance d'avoir un prix Nobel. Donc il y a une corrélation entre les deux. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas parce qu'on mange effectivement plus de chocolat qu'on a plus de chances d'être prix Nobel. Ou alors, ça saurait, je pense. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Bah, je sais pas, moi, les... Peut-être des pays plus... Plus on mange de chocolat, plus on est dans un pays riche, plus on est dans c'est un ce pays que j'allais riche. Dire, ouais. Ouais. Mais par contre, tu vois, je veux dire, le Japon, c'est pas forcément pauvre comme pays, et ils sont pourtant assez bas, tu vois. Donc on peut pas forcément, tu vois, intuitivement, tu peux te dire ça, mais t'as quand même des contre-exemples. Donc ça veut pas dire qu'il y a vraiment une raison qui fait qu'il y a cette corrélation. Le chocolat rend intelligent. C'est peut-être l'inverse. Ou c'est peut-être l'inverse d'ailleurs. Il y a une corrélation entre le nombre de meurtres aux États-Unis et le pourcentage d'utilisateurs d'Internet Explorer. Ouais, ouais, voilà, des corrélations. Des corrélations, mais c'est pas forcément causalité. Donc, ce qu'on va faire en fait, donc la fonction dont on a vu, et je vais reparler là, c'est la fonction de coût, c'est-à-dire comment notre. Comment trouver un modèle qui mappe au mieux les données qu'on a. Et c'est la fonction de coût qui va nous dire combien on est prêt ou pas du modèle. Donc pour toutes les données qu'on a, ça c'est M, on va faire en fait la somme des carrés, des différences entre moi ce que je modélise, alors, étant donné toutes les valeurs, donc la superficie de la maison, etc., toutes mes données que j'ai ici, j'estime que bah, je pense vendre la maison 150 000 euros. Et là, en fait, je regarde par rapport aux vraies données que j'ai, les données de test que j'ai, les données d'entraînement plutôt, ça s'appelle, et je vais vérifier l'écart qu'il y a entre mon modèle et les données que j'ai vraiment. Et en fait, on va essayer de minimiser cette fonction de coût-là pour essayer de trouver bah, un modèle qui fit. Le mieux aux données. Et donc quand on est en régression linéaire, on essaie de trouver une droite qui passe par ces données-là. Donc, c'est l'ordre premier, hein, c'est AX plus B. Bon, c'est pas mal. Et en fait, c'est quoi cette fonction de coût? En fait, voilà, c'est la distance entre mon modèle, la droite, et les données que j'ai. Vous voyez? Et en fait, on va prendre les carrés de ces trucs-là, on va les additionner. Et on va essayer de voir ben, quand est-ce que cette somme est la plus basse. C'est-à-dire quand j'aurai trouvé la pente de ma droite et l'ordonnée à l'origine. Et là, imaginons que... en fait, je peux trouver finalement, bah, tiens, pour une maison bah, peut-être plus grande, il y a des chances que son prix elle soit à cet endroit-là. Ouais. Pourquoi on a besoin de prendre le carré? Alors le carré, alors il y a des raisons mathématiques pour ça.
Empiriquement ou intuitivement, j'aurais tendance à dire que bah, plus tu t'éloignes, plus c'est pire. Et en général, le carré, bah, ça augmente vite l'erreur. Tu vois. Ah, ça exagère. Ça exagère l'erreur. Donc ça te permet normalement. Donc ça, c'est l'explication intuitive. Mm-hmm. Mais après, il y a des raisons mathématiques. Le carré, c'est des problèmes de signes. Bah, si vous prenez la valeur absolue. Et les problèmes de signes, mais on pourrait prendre la valeur absolue. Mais je crois que le carré, intuitivement. La distance euclidienne, de toute façon, c'est le carré. Ouais, et puis c'est oui, le cas. Mais après, il y a un autre truc qu'on verra, c'est les support vector machine qui permettent aussi, et c'est en fait une autre distance, et par rapport à la distance à la courbe et non pas. Voilà. Et bon, donc là, c'est un petit peu différent ici, mais c'est toujours une histoire de distance entre un modèle et puis les données réelles qu'on a. Mais c'est vrai que là, intuitivement, quand même, quand on regarde, on verrait bien un truc comme ça qui map plutôt. Et peut-être que bah, si on va utiliser un ordre second, on va être plus proche. Et vous voyez déjà les petites distances là, bah, c'est déjà mieux que ce que j'avais tout à l'heure. Et par rapport au point que j'avais imaginé là, bah, en fait, là, c'est peut-être à cet endroit-là qu'on l'aurait mis. Et le modèle nous donne des résultats différents sur ce qu'on utilise. Et après, je reviendrai tout à l'heure sur. Sur cet exemple-là pour parler d'overfitting. On verra quelque chose. Donc, ça, c'était la régression. On a aussi la classification. Donc, étant donné on va dire des sous-populations, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Enfin, non, ou même juste le spam. On a deux catégories, spam ou pas spam. Et on voudrait savoir, on a un nouveau mail, est-ce que c'est du spam ou est-ce que c'est pas du spam? Donc ça, c'est de la classification. Et pour donner une idée, alors là, je ne sais pas ce qu'on pourrait représenter ici avec ça, c'était un peu les données qu'on avait tout à l'heure, mais en fait, on veut trouver, par exemple, des groupes. Donc on pourrait avoir, par exemple, plusieurs libellés. Dans Gmail, on a des labels. Bah, par exemple, ça, c'est plutôt des mails qui concernent Groovy. Ça, c'est des mails je sais pas, que j'échange avec ma femme. En général, je parle pas souvent Groovy avec ma femme. Donc, c'est peut-être indiscriminant. Et puis là, ça peut être autre chose, des mails des pubs ou du spam. Etc. Donc, on va essayer finalement de trouver des droites ou des... Ça peut être dans l'espace, ça peut être des hyperplans. Parce qu'on n'a pas toujours que X et Y. Enfin, X1 et X2, c'est pas que des problèmes à deux variables, mais on peut avoir autant de features, de variables qui représentent un modèle. Comme quand je prenais l'exemple de la vente de maison, on a la superficie, on a le nombre de pièces, on a l'âge de la maison, on a le quartier dans lequel c'est, on peut avoir des tonnes et des tonnes de paramètres. Et quand c'est, par exemple, on a parlé de pouvoir reconnaître un chat, la classification... on peut tirer beaucoup d'informations et de variables à partir des images. La classification, on va essayer de trouver des plans et tout ça qui vont diviser nos données en plusieurs groupes. Ensuite, le non supervisé, donc là on va retrouver un petit peu ce problème de classification. Donc on a par exemple la clusterisation, c'est proche de la classification. Par rapport à tout à l'heure où on avait donc dans les algorithmes supervisés, on a quand même des données labellisées, où on sait bah, c'est dans telle catégorie, ou alors la maison à tel prix. On a quand même des jeux de données qualifiés, on va dire. On sait ce à quoi correspond telle ou telle donnée. Dans la clusterisation, en fait, on voudrait, bah, par exemple, trouver, imaginons que je suis... Amazon, un service de commerce en ligne, et je voudrais en fait faire la segmentation de mes clients. Donc, par exemple, je veux pouvoir reconnaître par exemple les femmes enceintes. Les femmes enceintes, c'est super, ça coûte très très cher quand on veut acheter des profils qualifiés d'utilisateurs. Les femmes enceintes, ça coûte très très cher parce que ça rapporte beaucoup. On peut leur vendre des couches, on peut leur vendre plein de choses. Et elles ont, pas une monomanie, mais fatalement, quand on a un bébé, on s'intéresse beaucoup à certains types de produits. Et on a beaucoup plus de chances qu'une femme enceinte achète des couches qu'une femme enceinte, pas enceinte, n'en achète. En général. Et donc on pourrait avoir ça, ou on pourrait avoir, je sais pas, un profil geek qui achète beaucoup de gadgets électroniques, ou
la ménagère de moins de 50 ans qui, je sais pas, qui fait beaucoup de cuisine à la maison, etc. On va pouvoir segmenter les utilisateurs, par exemple, et donc en fonction de leur âge, en fonction de leur sexe, en fonction, etc., de différents paramètres de leur profil. Et en fait, trouver automatiquement 1, 2, 3, 4, 5 segments sur lesquels on va pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire, tiens, si cette personne est dans ce segment-là, ah, c'est une femme enceinte, je vais lui vendre des couches, je vais lui proposer des couches, je vais lui recommander ça. Parce qu'il y a des chances, beaucoup plus de chances qu'elle, elle propose ça. Donc, on va qu'elle achète ça. Donc, on va essayer de proposer des produits ciblés par rapport au segment de marché qu'on aura trouvé. Et donc, l'idée, c'est de dire, donc, il y a par exemple les. On dit, tiens, je voudrais trois segments, et lui, il va essayer de trouver trois, on va dire, trois patatoïdes qui va regrouper en segments. Et du coup, après, c'est quand même à nous d'interpréter, c'est-à-dire l'algorithme qui va trouver les segments, il va faire venir ces segments enceintes. Mais nous, en termes d'analyse, la personne qui l'a fait, on va peut-être être capable de voir les cas plus proches voisins. Trois catégories, trois segments. Donc il y a quand même encore aussi du travail et après de comprendre ce que ça veut dire que ces segments-là. Donc là, on essaie de classifier les gens, tout ça, et pour pouvoir proposer des produits adaptés pour tel segment, mais ça s'applique à d'autres choses. Donc déjà, on avait pris des exemples aussi, on parlait de reconnaissance d'image, là où on va reconnaître des chats, des choses, etc. Là, on a une autre chose qu'on peut faire, c'est par exemple la séparation de ce qu'on peut faire. L'oreille humaine est super, enfin les cerveaux sont super doués pour ça, pour arriver à reconnaître la voix et du fond sonore. Et en fait, par exemple, on va un cours de machine learning là, de Stanford sur Coursera, où en fait il y avait 2000 en 2D pour voir quelque chose ou en fait des fois et souvent même les problèmes qu'on va rencontrer, on va avoir des tonnes et des tonnes de variables, donc c'est pas des choses qu'on va pouvoir facilement représenter dans l'espace. On pourrait peut-être regarder une projection sur certaines variables qui paraissent plus intéressantes que d'autres et d'être capable éventuellement de se dire tiens, on va
ces variables ont plus de sens, donc on va plus se focaliser sur celle-là, ou on va créer de nouvelles variables, combiner des variables avec une fonction affine entre des variables qui permettent de mieux voir une tendance, par exemple. Donc quand on veut faire la régression linéaire, si on voit avec le prix des maisons, bah, peut-être que plus c'est grand, mais on voit que ça commence à faire un peu un plateau, bah, une régression linéaire, ça pourrait être suffisant, parce qu'il vaudrait mieux peut-être une fonction d'ordre 2 qui mappera mieux les données. Alors, un autre commandement, n'apprends pas ce que tu sais déjà. Alors peut-être que... là, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête sur ce que ça pourrait représenter, mais peut-être ce qui est intéressant, en fait, là, c'est plus le fait qu'il y a une oscillation que le fait que, grosso modo, la tendance, là, on voit que la courbe monte. Ou peut-être vice-versa, peut-être que il peut y avoir une notion de cycle, par exemple, on achète plus pendant le week-end qu'on fait les courses que pendant la semaine parce qu'on bosse. Donc il y a peut-être, par exemple, une oscillation au cours du temps. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir, ah bah oui, mais par contre, là, le produit, il marche bien parce que, effectivement, il y a l'oscillation, mais malgré tout, ça monte. Donc peut-être que, moi, là, dans cet exemple-là, je sais que, bah, il y a cette droite-là, mais peut-être, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je souhaite, c'est plutôt voir l'aspect cyclique. Et donc, on peut transformer ces données pour faire en sorte que, bah, là, comme ça, je la remets à l'horizontale, et en fait, c'est vraiment le cycle. L'espèce de sinusoïdal qui va m'intéresser. Donc on peut aussi, tout à l'heure je disais, on peut transformer ces variables, on peut retrancher en quelque sorte de la variable cette pente-là qui n'a pas forcément de sens. Donc c'est pour ça, il ne faut pas apprendre ce que l'on sait déjà. Si on sait que de toute façon ça monte ou que c'est cyclique, on peut soit enlever la sinusoïdale ou faire une moyenne ou enlever justement cette pente-là. Donc ça c'est important. Et du coup, hop, on l'a redressé, on l'a remis horizontal. Alors, tes données, tu segmenteras. On a parlé de segmentation, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est plutôt le fait que, en fait, on peut s'appuyer sur plusieurs modèles. Pour certaines populations, on va plutôt utiliser tel modèle, et pour telle autre population, tel autre modèle. Ça, c'est Didier qui avait trouvé cet exemple-là. Par exemple, imaginons, on veut essayer de prévoir l'altitude d'un point géographique donné. Donc je donne la latitude, la longitude, et puis est-ce que je définis un modèle qui fonctionnerait pour toute la France, ou alors par rapport à un type de relief. Donc par exemple, il y a beaucoup plus de variabilité en hauteur quand on est dans les montagnes que dans la Beauce, par exemple, a priori. Donc est-ce que vaut mieux pas faire, je sais pas, un modèle par région, un modèle par type de relief, et on peut combiner ces reliefs-là. Donc segmenter, ça peut être intéressant. Et un autre super exemple là, de Didier. Didier, c'est lui aussi qui a créé À Bon Entendeur. Qui a déjà entendu parler d'À Bon Entendeur ? Ouais. Donc c'est une application qui permet de... on n'a plus le droit d'appeler ça des détecteurs de radar. Là, un avertisseur de danger. Un avertisseur de danger. Donc qui permet de savoir, ben, voilà, où sont placés les dangers, où il y a des problèmes sur la route, où il y a des radars également. Donc il a beaucoup de données qu'il a récoltées avec ça, et on peut s'apercevoir, bah, par exemple là, sur les jours de la semaine, bon, il y a quand même une certaine tendance là, en fonction des heures. Donc, par exemple, en plein milieu de la nuit, là ici, il n'y a pas grand-chose, mais à certains moments de la journée, on voit, bah, là il y a un creux, ça doit être vers midi, là au début d'après-midi, là la soirée, il y a du monde, etc. Et en fait, bah, c'est intéressant, mais... Bon, celle-là, qui a un espèce de rose, là, et par rapport au violet, il y a quand même une sacrée différence. Par contre, ici, on est assez proche, là. OK ? Donc, il y a peut-être une intuition, il y a peut-être certains jours qui se ressemblent et d'autres jours qui ne se ressemblent pas. Par exemple, si on essaie de les séparer, en fait, on s'aperçoit que les jours de semaine, c'est ceux qui sont, donc, lundi au jeudi. Ceux-là, ils sont vraiment proches. Par contre, vendredi, départ en week-end. Le samedi et le dimanche, aussi départ en week-end et retour de week-end, on s'aperçoit que peut-être ce sera judicieux de créer quatre modèles. Un pour les premiers jours, enfin du lundi au jeudi,
un pour le vendredi et samedi et dimanche, parce que c'est vrai que c'est souvent là où les flics sont de sortie pour essayer de prendre les mecs qui roulent trop vite pour aller à la plage, tout ça. Donc peut-être qu'on va pouvoir segmenter et essayer de modéliser les jours de semaine, le dimanche, parce que c'est différent. Il n'y a pas de corrélation avec le nombre de personnes qui circulent ? Alors là, en l'occurrence, par exemple, il y a d'autres jours qui sont un peu spéciaux. Tu vas avoir un jour férié ou les départs en vacances, par exemple. Mais justement, c'est parce qu'il y a certaines heures beaucoup longues. Je dis que si au lieu de donner un nombre, on mettait juste le ratio nombre d'avertissements par nombre de personnes qui circulent, ouais. On n'aurait peut-être pas tout à fait le même problème. Oui, peut-être aussi, ouais. Donc c'est aussi important, tu vois, comme je disais tout à l'heure, de visualiser, parce que tu peux tirer éventuellement d'autres conclusions et faire d'autres modélisations que celle-ci en tout cas. Tes données, tu prêterais, bon, on en a déjà un petit peu parlé, par exemple, quand on veut essayer d'enlever la tendance de la sinusoïdale là, qui augmentait, ou alors de justement d'enlever le cycle, ça fait partie du pré-traitement. Mais souvent, ce qu'on fait, alors il y a aussi des raisons, mathématiques, pour lesquels on peut souhaiter faire ça, on va vouloir normaliser et centrer ces données. C'est-à-dire, on peut avoir, par exemple, j'ai deux variables dans mon modèle, en bleu et rouge. Et en fait, je m'aperçois, ma variable rouge, bon, c'est toujours, on va dire, entre 1 et 2, alors que le bleu, c'est entre 0 et 10. Okay, donc, ce que je vais vouloir faire, c'est de mettre ces deux variables-là dans la même... c'est-à-dire entre 1 et moins 1, donc aussi bien en amplitude que centré sur la moyenne de ces données-là. Donc ça, c'est intéressant parce que mathématiquement, par exemple, si on utilise la méthode du gradient, ça vous dit quelque chose le gradient? Vous avez vu ça il y a très longtemps pendant vos études. Et en général, maintenant, on ne fait plus trop de gradient, mais... Et en fait, pour essayer de trouver un minimum local de notre fonction de coût qu'on avait tout à l'heure, quand on faisait de la régression linéaire, avec un gradient, on peut essayer de se rapprocher petit à petit du minimum local, qui est là où le modèle s'approchera le plus de nos données. Et en fait, avec le gradient, si par exemple on a deux variables qui n'ont vraiment pas la même amplitude, il va peut-être converger moins vite vers l'optimum local. De normaliser et de centrer, en général, ça permet d'améliorer normalement la rapidité, en tout cas, de cette méthode-là. Donc c'est pratique, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Un autre exemple de normalisation, par exemple, on va juste prendre la partie, on doit reconnaître les yeux, le nez, la bouche, qui a les cheveux attachés versus les cheveux lâches, c'est bien la même personne, mais ce ne sera pas reconnu de la même manière. Donc on se concentre vraiment par exemple sur les traits du visage, on met sur une même taille tous les visages. Et après, on peut faire une balance pour accroître le contraste, pour retrouver plus facilement les caractéristiques du visage. Donc ça, c'est le genre de traitement qu'on peut faire. Donc on a des données avec des variables, on peut avoir des images, et il y a différents traitements qu'on peut faire pour normaliser ces données. Quand on a des données manquantes. Par exemple, telle maison s'est vendue, mais par contre, je ne savais pas quelle superficie elle faisait, ou des données manquantes. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Donc, c'est vrai qu'on pourrait très bien supprimer cette dimension-là, cette variable-là, ou alors des fois, on peut faire l'interpolation. Il y a différentes approches, mais ça peut être un problème. Dans certains cas, quelque chose qu'on peut modéliser, d'avoir des données manquantes peut être embêtante. Et aussi, il y a les données manquantes, mais il y a les données aberrantes. On avait vu tout à l'heure, à un moment, on avait une espèce de droite, puis un point qui était un peu bizarre. Donc il y a peut-être eu un problème d'observation. Ou alors, un autre, là j'en parle pas ici, mais par exemple, les algorithmes de détection d'anomalies. Justement, les anomalies, c'est peut-être intéressant, parce que c'est peut-être ça qu'on veut essayer de voir, qu'est-ce qui s'est passé, ou
pourquoi il y a quelque chose qui est anormal. Par exemple, je sais pas, un moteur d'avion qui surchauffe et qui vibre beaucoup, c'est pas normal, alors que 99% des autres moteurs ne vibrent pas. Donc est-ce que c'est un cas d'exceptionnel, ou alors c'est une erreur d'observation, ou c'est vraiment quelque chose justement qui nous attache, parce que c'est ça qu'on veut découvrir. Et qu'est-ce qui fait que on a un moteur qui vibre et qui surchauffe. Donc ensuite, ton algorithme, tu choisiras. Donc même, ne serait-ce que, on va dire, sur la clusterisation, il y a différents algorithmes, sur, il y a différents algorithmes pour faire les mêmes choses. Donc tout à l'heure, on parlait, par exemple, les k-nearest neighbors. Donc on essaie de trouver, quand on veut faire de la classification, lui, le point vert, alors à qui il appartient ? Est-ce qu'il est plutôt un cœur bleu, ou est-ce qu'il est plutôt un rouge ? Ça, c'est les méthodes de si on regarde le sexe, on sait déjà, peut-être ça va être quelque chose qui va discriminer beaucoup plus les données. Donc on va être capable de séparer et de dire, voilà, on est plus dans ce cas-là ou plus dans cet autre cas-là. Et il y a différents algorithmes, cartes, ID3, C4, 5, random, triforest, tout ça. Il y a plusieurs algorithmes qui permettent de faire de la décision et qui discrimine plus facilement les populations pour savoir dans quelle catégorie elles se trouvent. Après, alors là c'est pareil, il y a pas mal de maths là, derrière les réseaux de neuronaux. Les réseaux de neuronaux sont beaucoup utilisés donc, pour par exemple la reconnaissance de caractère, reconnaissance de visage, de trouver des choses dans des images. Et en fait l'idée c'est effectivement, ça modélise un peu les neurones comme ils fonctionnent dans notre cerveau. C'est-à-dire
applications, par exemple plusieurs groupes, plusieurs segments, on va avoir 2, 3, 4, autant de neurones en sortie et en entrée, donc c'est nos variables. Et ce qui est deep learning aussi, là, ils utilisent des réseaux neuronaux super gigabit avec encore plus de couches et tout ça. Et il faut du matériel assez sympa. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les réseaux neuronaux ? De l'intuition. Et bah, des fois, c'est un peu comme la chasse aux champignons. On va avec un expert, et il a un peu le flair, on ne sait pas pourquoi, pour trouver les bons endroits et les champignons. Et par expérience, voilà, il a peut-être appris que, même peut-être inconsciemment, à reconnaître les bons endroits, parce qu'il y a plus de mousse, plus de tel type d'arbre, etc. Mais peut-être qu'il y a des critères concrets qui permettent de trouver les bons endroits à champignons. Mais malgré tout, on a l'impression qu'il y a quand même peut-être une... donc ils peuvent nous permettre aussi de par exemple, sélectionner les bonnes variables. On peut avoir effectivement... Quand je reprends l'exemple de l'immobilier, on se doute que plus la à la maison, on va consommer plus d'eau ou la température ou la reconnaissance d'image, peut-être les couleurs vont être très importantes ou peut-être le contraste. Donc on va peut-être se focaliser plus sur certaines variables plutôt que sur toutes les variables imaginables qui peuvent représenter ce problème-là. Alors ensuite, ton système, tu entraîneras. Et là, on va rejoindre le problème qu'on avait tout à l'heure. En fait, on a, donc ça c'est pour les algorithmes supervisés. On va prendre le jeu de données qu'on a. On va en prendre par exemple 60% pour essayer d'entraîner notre modèle et trouver, faire la minimisation de la fonction de coût. Et on va vérifier sur une plus petite partie du jeu de données que effectivement ça map bien notre modèle ou pas. Et alors justement, par cœur, tu n'as pas parce que quand on en revient à notre courbe initiale qu'on avait ici là, on avait vu avec une droite, une ligne AX plus B, mais on s'était dit tiens, peut-être qu'avec un X carré quelque part. AX carré plus BX plus C, on aurait peut-être pu mapper mieux finalement cette courbe-là. Mais je peux être capable de trouver un polynôme d'ordre supérieur, X, 1, 2, 3, 4, X5, je ne sais pas combien, qui m'apprête, et si vous voulez regarder la fonction de coût là, c'est 0, 0, 0, 0. Alors on passe vraiment bien par les points. Mais est-ce qu'à votre avis... je sais pas, quand on est plus quand la superficie, imaginons que là on est sur l'axe de la superficie et en haut on a le prix de vente, est-ce que la superficie augmente encore mais d'un seul coup le prix chute? Ça a l'air un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on a trop bien appris les données qu'on avait, on a overfitté le domaine, c'est-à-dire on a trouvé une modélisation qui fitait super bien le domaine, mais... si on va prendre des jeux de données, et je crois que c'est juste ce que j'ai appris, c'est encore après, où en fait, de séparer nos données d'entrée en le jeu d'entraînement, un jeu de cross-validation, de généralisation, c'est quoi déjà ? Je sais plus, je l'ai, ça va me revenir. Hop, je reviens là. Et en fait, on s'aperçoit que... on peut avoir un modèle qui est plus complexe, avec par exemple dans la régression un polynôme d'ordre supérieur. On va être capable de modéliser la capacité d'apprentissage ici, et là le surapprentissage, la complexité de ce qu'on peut modéliser.
Et en fait, plus on a un massif de modèles, un peu plus de variables, etc., peut-être qu'on va mapper et être capable de mapper, de réaliser des choses très complexes. C'est-à-dire, par rapport à nos données tout à l'heure, un polygon du degré 2, c'est mieux que la ligne droite. Oui, c'est vrai. Mais si par exemple, on va surapprendre, et du coup, sur des vraies données, c'est pas sûr que c'est le complément de la vérité. Et, donc c'est un peu dans le désordre, je crois que je le mette à un autre endroit, c'est là. On est capable, donc il y a d'autres dimension, il y a un autre truc aussi que j'ai vu, le principal component analysis. On est capable en fait de voir par exemple qu'il y a peut-être des corrélations entre certaines variables, par exemple du polynôme, le degré 2 c'est ce qui est peut-être le mieux pour notre modèle. Donc il y a des choses qui nous permettent de nous renseigner là-dessus, des algorithmes qui nous permettent de trouver je dirais automatiquement plus ou moins automatiquement une borne ou une valeur. Donc il y a une différence quand même entre apprendre et comprendre. On est capable d'apprendre les données et du coup faire l'overfitting avec la courbe avec un degré supérieur. Et de vraiment comprendre le problème si on essaie absolument de trouver quelque chose qui matche le mieux les données d'entraînement. Donc c'est pour ça qu'en fait, donc voilà la généralisation, des fois on appelle ça cross. Il y a cross-validation, enfin suivant les. Par exemple, sur le cours de Coursera, c'est pas les mêmes libellés. Donc plutôt que de faire 60-40, ben, on va peut-être faire apprentissage. On essaie de généraliser avec d'autres données, voir si ça marche bien, et de revalider après avec un jeu de données encore plus petit, et ce qui permet d'éviter des problèmes de surapprentissage pour la modélisation des données. Après, bah, ton modèle, tu exécuteras, parce qu'à un moment ou un autre, c'est bien gentil de faire des modélisations, etc., mais il faut se lancer dans le vide et puis essayer d'appliquer ça à des vraies données, parce que Andrew Ng, là, le gars qui fait le cours sur Coursera, qui expliquait que, en fait, alors je ne sais plus ce que c'était comme exemple, que donc il y avait telle équipe de recherche qui avait passé 6 mois à fine-tuner son modèle, etc., alors que s'il l'avait vraiment... validé contre plus de données, par exemple, ils auraient peut-être découvert qu'il n'y avait pas besoin d'essayer de surgénériser. Et il vaut mieux faire à la limite une approche plus empirique, c'est-à-dire on commence. Résumé de ces commandements-là. Pour faire du machine learning, bah, il faut beaucoup de données, et en général, plus on a de données, plus ça aide. Donc, essayer d'enregistrer un maximum de données, les observer, les visualiser, pour peut-être voir une tendance sur la régression, par exemple, intuitivement, on voit bien que l'X2, c'est mieux qu'une droite. Segmenter les données, parce que certaines données vont être mieux modélisées, où on peut trouver deux modèles, enfin, avec des paramètres différents, hein, pas forcément un modèle vraiment différent, mais juste les paramétrer les modèles différemment sur les jours de semaine ou le vendredi ou le samedi ou le dimanche sur les prétraiter et normaliser pour faire en sorte que ça améliore la rapidité de la convergence l'entraîner et le valider, donc essayer de faire ça sur quand on a un jeu de données le couper en trois et puis le valider donc sur les données avec les validations et puis l'exécuter. Quelques outils, il y en avait un d'ailleurs que je voulais rajouter à la liste et que j'ai pas mis, je sais plus ce que c'est. Il y en a plein, il y a des outils pour les stats, il y a beaucoup de gens qui utilisent R. Sur le cours de machine learning, là, sur Coursera, on utilisait Octave.
Après, si on s'y connaît en Python, il y a Scikit Learn. Parfois, quand on a beaucoup de données, on peut souhaiter utiliser un truc comme Apache Mammoth qui fonctionne avec Hadoop. Donc, on peut faire du MapReduce pour calculer plus rapidement sur plusieurs machines en parallèle et ensuite faire la synthèse des résultats. Weka, c'est des librairies en Java. Il y a un truc assez fun, là, c'est Google Prediction, qui permet en fait de... C'est un service de Google. On lui balance des données. C'est un peu, je dirais, boîte noire, dans le sens où on lui donne des données et il va dire, bah voilà, je te donne des résultats, mais il va pas nous dire ni quel algorithme il a choisi. Il arrive à... C'est une sorte de boîte noire où il arrive à trouver les algorithmes qui correspondent au mieux, mais on sait pas toujours ce que ça fait. Prediction.io... c'est un projet open source là où en fait on peut on a des alors, je sais plus c'est sous forme de virtual machine ou enfin un environnement qu'on peut installer et déployer je sais pas sur Amazon ou ailleurs avec différents modèles et on peut sélectionner ces modèles. Madlib, ça c'est un truc d'ailleurs que ma boîte fait, Pivotal. Donc c'est en lien avec oui c'est sur PostgreSQL je crois. Si vous avez vos données dans PostgreSQL, c'est une sorte de surcouche qui permet d'appliquer plein d'algorithmes de machine learning sur des données stockées dans une base de données. Donc encore une fois, je vous conseille, si ça vous intéresse, le cours de machine learning de Andrew Ng de Stanford qui est sur Coursera, qui est vraiment super. Donc là, il se termine là en ce moment, donc la prochaine session sera peut-être je sais pas, en septembre ou un truc comme ça, octobre. Il est vraiment très bien, le mec il est super didactique, il ne nous fait pas chier avec les démonstrations des formules mathématiques qu'on voit. Il est très didactique, il essaie de donner les intuitions des algorithmes qu'on utilise et c'est vraiment très, très compréhensible. Donc il y a toutes les semaines ils remettent des nouvelles vidéos sur différents sujets. Il y a des quiz et puis il y a aussi des exercices de programmation avec Octave pour appliquer, pour implémenter tel ou tel algorithme. Donc ça je vous encourage vraiment à aller le voir si vous avez l'occasion. C'est vraiment super. Et pour la petite info là, Andrew Ng, je sais pas comment on dit Ng en anglais. Enfin c'est pas anglais mais c'est américain. Il vient d'être recruté par Baidu, là, le géant de l'internet chinois, pour diriger le groupe de recherche sur l'intelligence artificielle, hein, machine learning et tout ça, pour Baidu. Et il y a d'autres gars super balèzes dans le machine learning, comme il s'appelle Yvan Lequin, qui a rejoint Facebook. Ils ont un super labo de recherche sur l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce monsieur-là, Lequin, a été thésard du même prof que le prof qu'a eu Didier Girard pour sa thèse de machine learning. Mais bon, Didier Girard n'est pas chez Facebook, mais voilà, c'est pour la petite... Comment ? Il a fait une thèse sur machine learning récemment ou c'était... De quoi, Yvan Lequin ? Non, Didier. Didier Girard, lui, il a fait une thèse sur le machine learning. Récemment ou... Ah non, bah, quand il était étudiant, quoi. D'accord. Il était encore. Il n'est pas vieux, mais il y a quand même 15-20 ans, quoi. C'est ouais, bien sûr, on peut en faire à n'importe quel âge, mais c'était quand il était étudiant jeune. Plus jeune. Ah, vas-y, tant qu'il n'est pas. Donc voilà, alors, la petite conclusion, oui, du coup, j'ai été encore trop bavard. Le data scientist, c'est un peu le physicien nucléaire d'hier, dans le sens où ben, il peut y avoir des débordements, c'est comme tout. Je veux dire, l'atome, c'est bien, après, il y a ceux qui n'aiment pas les centrales nucléaires, mais ça génère de l'énergie, c'est utile. Après, les dérives, ben, on a foutu la bombe atomique sur la gueule des petits japonais. Hein. Donc il peut y avoir des dérives, et le Big Data et le machine learning peut être en train de vous scorer, de vous analyser, vous épier, et ça peut être utilisé dans plein de choses pour dire si je suis un assureur, dire celui-là, vaut mieux pas lui prêter de l'argent parce qu'on a vu que sur Facebook il a parlé de je sais pas quoi, enfin on peut imaginer des recoupements aussi entre informations. Donc il y a plein de cas où il faut faire gaffe. Mais malgré tout, bah, cette machine-là, on voit, cette machine-là est lancée et on va avoir de plus en plus de big data qui vont être collectés et de machine learning qui vont être appliqués sur ces data.
Donc, de toute façon, on ne peut pas arrêter cette machine-là. On peut essayer de la réguler, de mettre des lois et tout. La NSA fait un peu ce qu'elle veut, par exemple. Et finalement, il vaut mieux apprendre et comprendre quand, comment, qu'est-ce qui se passe avec le machine learning, plutôt que de le subir et d'être capable d'être finalement peut-être nous au cœur du système. Ou par exemple, il y avait Didier chez un de ses clients qui avait pris un exemple où le client avait demandé de faire un certain profilage particulier ou de ramasser des données que lui trouvait n'était pas correcte, ou à la limite, je dirais, la légalité. Et on peut quand même, alors peut-être si lui dit non, je ne vais pas faire ce que tu me demandes, ce sera un autre qui le fera, mais si on est plusieurs à dire non et dire ça, c'est pas bien de collecter ces informations-là, c'est quand même mieux. Donc les gens éduqués sont capables d'avoir les garde-fous et de voir quelles sont les dérives qui peuvent arriver avec le big data et le machine learning. Donc grosso modo, à vous de prendre en main notre avenir et d'essayer de faire en sorte que ce soit utilisé à bon escient plutôt qu'à mauvais escient. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.